Salut à tous, je suis tellement content de faire ce tuto pour vous informer un peu de la quatrième saison de La Casa de Papel. Et, au fait, La Casa de Papel, c'est la date de sortie pour la quatrième saison sur le 3 avril 2020. Et dans la série, il y aura beaucoup plus de nouveautés. Par exemple, il y aura les nouveaux acteurs. L'acteur qui est le plus entendu dans la quatrième saison, c'est la star du football brésilien nommé Neymar Junior. En fait, c'est pas là où nous allons commencer. Pour d'abord, pour mieux commencer la vidéo, nous commençons par la fin de la troisième saison qui prépare la quatrième saison. Dans la fin de la troisième saison, il y a trois questions principales qui nous attendent et que tout le public aussi attend vraiment pour voir la résolution dans la saison précédente. Et la première grande question, c'est voir si Nairobi va mourir ou s'il va bien guérir pour continuer dans les saisons précédentes de la Casa de Papel. Nous avons vu aussi le bombardement des chars. Nous ne savons pas si qu'est-ce qui va se passer à travers cette action, si le professeur va perdre s'il va perdre le public disons la population, s'il va perdre leur soutien, bon, s'il va être envahi. Et dès là, je vais vous poser une autre question. En fait, posons-nous une autre question. En fait, le professeur, est-ce qu'il va-t-il vraiment tenir le coup? Est-ce qu'il va vraiment bien gérer le groupe qui est dans la fabrique? Bon, en fait, toutes ce sont des questions que nous devons nous demander. Aussi, nous avons vu qu'il y a des relations amoureuses dans le groupe. Par exemple, celui de Monica et d'Inver. Bon, peut-être dans la troisième saison, ils n'ont pas été beaucoup plus visibles. Je pense que vous l'aviez aussi constaté. Est-ce que cette histoire-là va beaucoup intervenir dans la quatrième saison? Bon, c'est une autre question que nous allons nous demander. Et aussi, la relation entre Tokyo et Rio. Est-ce que nous allons beaucoup le voir aussi dans la quatrième saison? Attendons voir. Et je pense que le directeur Jesus qui a vécu la troisième, quatrième saison sera tellement dure pour nous le spectateur. Alors, attendons voir. Bon, en fait, je voulais vous poser une question. Quel est l'acteur que vous préférez dans La Casa de Papel? Quel est votre acteur préféré? Bon, avec la venue de Neymar, est-ce que vraiment vous vous attendiez à ce qu'un star de football vienne intervenir dans la série? Est-ce qu'il va bien faire son rôle? Surtout, ne pas oublier, il ne sera pas sur le terrain là en train de jouer avec Nantes ou Montpellier ou avec Lyon. Ça sera un film, La Casa de Papel. Vraiment, vous attendez-vous à un bon Neymar en tant que cinéaste? Bon, ce sont des questions. Bon, alors, attendons voir la quatrième saison. Ce que ça va donner. Et je suis tellement content de faire cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like. Et aussi, vous pouvez partager la vidéo pour les amis si vous avez vu que c'est utile. Bon, en fait, La Casa, c'est l'une des séries les plus populaires. Je pense que pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont déjà vu La Casa de Papel, auront besoin de cette vidéo pour s'informer beaucoup plus concernant la quatrième saison. Alors, je suis tellement content de faire ce tuto pour vous et j'espère que vous allez vous abonner et nous allons rester toujours en contact. Regardez le plus de mes vidéos, par exemple la date de sortie. La date de sortie de La Casa, c'est le 3 avril 2020. Et je vais faire un tutoriel comment la regarder ou télécharger. Et La Casa de Papel saison 4, je vais faire juste comment télécharger, je vais faire un tuto comment télécharger La Casa de Papel avant la date de sortie, et les jours de la date de sortie, je vais vous montrer comment regarder ça en ligne.
sur Internet. Alors, ok, merci, à plus, et je suis content, je pense que la vidéo vous avait plu. Bye.